Avec qui il y a des difficultés, voire... Il avait connaissance avant, évidemment, mais la salle de presse a dit hier que ce n'était pas dû de ce gigantesque festival, car c'est ça aussi. Et c'est sans doute un problème avec ses yeux ou avec... Lire un texte qui a forcément une dimension un peu abstraite, un peu... comme celle-là. D'ailleurs, pour les médias, de résumer ces discours improvisés, parce qu'on cherche un peu quel est le fil conducteur, il n'y en a pas toujours pour être construit. Alors, il ne s'agit pas de dire que la jeunesse n'a pas le droit de recevoir aussi un enseignement construit, et il y en a. Chercher cette joie, nous devons ce qui compte simple, eh bien ça vaut la peine. Des choses très simples, on se souvient de l'église et de... Silence. Et ça, c'était très impressionnant encore hier soir. Il se passe des tas de choses un peu partout, parce qu'il y en a un qui s'est tordu la cheville, parce qu'il faut bouger de là où on est, parce que des centaines de milliers de jeunes qui se mettent à genoux. De ces jeunes, une expérience d'église, une occasion pour ces jeunes de faire l'expérience de la communion. Donc voilà, il n'y a pas de recette magique. Les JMJ ont toujours un impact particulier pour le pays. Et d'autres recueillis ce matin, ouais, on avait très peur que le pape nous lise des textes et puis on n'entend pas toujours très bien les traductions. En fait, on a tellement aimé ce qu'il nous a dit hier soir. J'ai dit, bon, qu'est-ce qui vous a marqué? Eh bien, il a dit à un moment, rien n'est gratuit. Se lever, se mettre en route, voilà des mots que le pape emploie à plusieurs reprises. La vie du chrétien, c'est celle du pèlerin, donc on sort de chez soi et puis à vous de jouer. Parce que...
Monde. Il est 18. Et bah, on verra ce que ça donne. Ça ne se mesure pas, mais même si c'est pas une recette magique. C'est effectivement à l'Université catholique portugaise que le pape François a eu cette invitation. Et puis on interroge sa pertinence. Est-ce que c'est pas une bulle éphémère? Est-ce qu'on ne se trompe pas en voulant comme ça leur faire vivre quelque chose d'exceptionnel, honnête? Mais ils vont garder de tels souvenirs et puis de telles richesses intérieures de tout ce qui a été vécu que vraisemblablement ils vivent des choses très, très fortes. Et voyez. Nous, on note bien pour en avoir fait rendez-vous qui est pensé pour eux. Ils fonctionnent, ils répondent présents, ils en sortent grandis, transformés. Ils... Aux Antilles, également en Amérique du Nord, évidemment que cette messe de clôture des JMJ. Ça permet, comme le permettent les moyens de communication. Depuis une semaine sur les médias sociaux de KTO avec ce sentiment d'être l'élargissement de l'espace en disant nous on vous suit depuis tel pays, depuis tel endroit à des milliers de... À cette grande qui permet ça, et donc chacun peut avoir des écouteurs ou des petits haut-parleurs avec la traduction proposée sur place de ce qui se passe. Et puis eh bien, il y a eu des temps de petites prières matinales. Célébration, c'est aussi un envoi en mission, et donc ils s'apprêtent de tout leur cœur à vivre cette messe de clôture et d'envoi de ces JMJ. Voilà, sous le regard de Notre-Dame de Fatima que l'on a aperçu, la représentation de la Vierge Marie qui est sur cette estrade, ce podium, et de la chorale, de l'orchestre. Six artisans ont créé le mobilier liturgique sous la conduite d'un architecte portugais, André Mendes. On peut donner quelques indications sur le soin donné à la liturgie par les organisateurs portugais. On a salué tout à l'heure la qualité. Cet hôtel, eh bien, il est supporté par... avec trois lignes qui ont droit derrière une petite croix dorée, à l'image de la Trinité, mais à l'image...
Autant que nous ayons de la bonne volonté, nous apprenons des chemins qui ressemblent à de l'amour, mais c'est de l'égoïsme maquillé d'amour. Attention aux égoïsmes qui sont déguisés d'amour. Écoutez-le, parce que lui, écoutez, pour ne pas se tromper de chemin, quel est le chemin de l'amour. Écoutez. De ne pas atteindre la réalisation. Vous avez tendance à croire que vous ne serez pas capable. Un peu de pessimisme, cynisme parfois. Et à vous les jeunes, il ne faut pas croire que vous allez échouer ou que vous allez cacher la à vous et qui voulez changer le monde et qui luttez pour le changer, imaginez-vous que cela fait semble ne pas suffire à vous jeunes, pour l'Église et le monde ont besoin comme la terre a besoin de pluie. À vous, jeunes, prêts, élevés, peuple. Petit silence, chacun répète pour soi, dans son cœur, son soyez sans crainte. Précisément à vous, jeunes, Jésus vous dit aujourd'hui, soyez saints. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. De l'Orient et ceci montre l'universalité de l'Église et le... Ils ont été parmi nous et continuent toujours d'être avec nous. Ils ne perdent jamais de vue nos vies. Ils nous... Les prochaines Journées mondiales de la jeunesse auront lieu à Séoul, en Corée du Sud, en 2026. Jésus, merci à toi, Marie, notre mère. Et maintenant, nous te prions avec joie. Voilà la joie des Coréens, vous l'avez entendu. Ce seront les 7, il y aura avant l'année sainte en 2025, autour du thème pèlerin de l'ESPM, Journée mondiale de la jeunesse en Asie, après Mani en 1995. Ave María, gracia plena, Dominus tecum.
Benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Jesus. Amen. Sove vos. Il Signore esteja con vos. Bendito sea el nombre del Señor. Buenos auxilios, vendo, Señor. Occidental de l'Europe. Majeur et crucial. Et c'est dans la joie que s'achèvent ces journées mondiales de la jeunesse qui nous feront passer, comme le pape l'a dit, de la rive alors que résonne encore cet hymne. De rentrer, l'heure de témoigner, l'heure de partir, de se lever en hâte, comme elle les y invitait, ce thème des Journées mondiales de la jeunesse 2023. Et pour les 1,5 million de pèlerins réunis ici, sur ce parc du Tage, eh bien, ça va être l'heure de... Portugal, le pape François va saluer les volontaires dont un certain nombre vont faire se rassembler en fin d'après-midi à Alger, plus au nord le lundi. Et bien, nous serons encore en direct pour cette dernière étape du pape.